Bonjour à toutes, on va commencer un live aujourd'hui, on est presque à l'heure, dis donc. C'est bon. Bonjour Alexia. Bonjour, bonjour. Je prépare le matériel. Ah, on voit On bien là? continue à se préparer un petit peu. Voilà. Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va se voir. Alors, comme d'habitude, Julien n'est pas avec moi, donc je pense qu'on devrait faire un petit peu plus court. On va essayer parce qu'on s'est dit une petite demi-heure pour vous parler un petit peu du volume russe, des bouquets, des différents types de bouquets. Vous voyez qu'Alexia est en train de se préparer avec les sections de cils qu'elle a découpées. En bouquet, on va dire fait main. Je vais vous expliquer la différence entre les préfets, les faits main, les différents types de poses, les petites techniques qui peuvent vous aider. Et puis, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Je vois que certaines sont déjà connectées. Merci beaucoup. Vous êtes encore bien au rendez-vous, donc ça fait toujours plaisir. Pour commencer, le volume russe, on va faire un peu large, ça va dépendre un petit peu. Donnez-moi sur vos commentaires un petit peu vos niveaux, que je m'adapte un petit peu au discours que je dois avoir. Tout simplement, volume russe, donc vous savez que pour commencer, les extensions de cils, j'allais dire, c'est beaucoup plus sérieux de commencer et plus, comment dire, motivant de commencer en classique avec du cil à cil. Donc, on va venir poser une extension de cils sur chacun des cils naturels en volume. On va soit préparer nos bouquets, donc un petit peu plus de technique. C'est pour ça que c'est pas mal quand même d'avoir un peu d'expérience en formation classique. Quand je dis classique, c'est le cil à cils hein, chez mise en cils. Et puis, d'avoir déjà fait quelques modèles. Bref, d'être déjà à l'aise avec l'isolation des cils, la prise de l'extension de cils, le trempage de colle et le bon dosage. Et d'avoir des retours, c'est toujours, comment dire, rassurant en fait, d'avoir des retours des clientes et de vos modèles pour vous dire, OK, c'est bon, en fait, là, ça fonctionne bien, la rétention est bonne et je peux continuer à évoluer. Et s'il vous plaît, pour toutes celles qui nous regardent, qui n'en sont qu'à l'extension de cils classique, ce qui est déjà bien, c'est déjà très bien, mais gardez à l'esprit qu'on a beaucoup de possibilités encore dans la technique, donc vous limitez pas à ça, ce n'est que le début de l'aventure pour encore progresser davantage et proposer une carte très large en fait à vos clientes et c'est ce qui les rendra encore plus fidèles pour des années. Et quand les clientes restent avec nous pendant plus de 4, 5, 6 ans, 8 ans, etc., c'est du vrai bonheur. D'accord? Et c'est beaucoup plus même confortable en fait pour les techniciennes, il faut dire ce qui est. Alors, le volume russe. Donc là, Alexia a sorti donc la petite pince volume, sa pince chouchou à 45. On en a d'autres, moi j'en ai une autre aussi. Voilà, on a chacune nos chouchous. Et les sections de cils, hein, rappelez-vous, section de cils veut dire hygiène, sécurité pour chacune de vos clientes. Tous les cils sortis seront jetés à la fin de chaque prestation. Donc, pour pas faire de gâchis, essayez de découper un petit peu les petites sections. Merci Alexia. Super. Nos Mishka, qui ont la particularité, c'est pas des cils lambda, on va dire. On a fait beaucoup de recherches encore sur ce type d'extension de cils. On est donc sur des cils qui sont beaucoup plus légers, vous l'avez compris, parce qu'on va venir poser des bouquets. Alors là, je montre mes mains. J'aime toujours montrer mes mains en live. Mais on est vraiment sur des extensions beaucoup plus fines pour toujours respecter le cil naturel. Donc, on est sur du 0,07, du très fin au maximum, voire 0,05, 0,04, etc. On est sur une courbure. Alexia, ouais, tu nous Là, j'ai mis montrais les le deux, hein. profil. Là, j'ai mis du C et du D. OK. On voit bien la C différence, en fait. et D. Voilà, le C et le D qui est beaucoup plus arrondi, hein, celui de droite. D'accord? On en a aussi après en CC sur les bouquets Bloom. Enfin voilà, après vous pouvez mélanger et faire plein plein de choses. Les beaux bouquets Bloom, effectivement, qu'Alexia donc vous montre, sont en courbure CC. Donc vous voyez que c'est un petit peu déjà une courbure intermédiaire entre le C et le D. Ça, ce sont des bouquets préfets, ce sont un peu nos chouchous. Qui ont un petit peu, je pense, Là, ils sont eu un quelques peu. accidents au Congrès J'ai eu Ouest. un petit accident là. Mais ça se remettrait bien, c'est pas grave. qui ont une courbure CC, donc qui se mélangent très bien, en fait, avec les bouquets que nous pouvons fabriquer. Deux possibilités, soit les préfets, et ça, très, très
simple. Bah, vous avez vu que la base est déjà collée, les bouquets sont déjà très très beaux, avec une finesse et une douceur sur lequel on est quand même reconnu aussi, hein, pour ça, vous le savez bien, pour celles qui utilisent nos cils. Donc ça, on a gardé ça sur les bouquets blonds, voilà. Et avec une base quand même qui se voit, mais qui est quand même suffisamment fine et pas lourde, ça c'est très important pour toujours respecter le cils naturel et le poids qu'on va mettre sur le cils naturel, pour que le cils naturel continue à pousser sans être trop demandé en fait par l'extension, trop en surpoids. Et du coup, ça va venir sinon, bah, comme une épilation, hein, je vous le dis souvent, on vient poser donc un cil sur le cils naturel. Si c'est trop lourd, ça va venir arracher au niveau du bulbe des cils. Et c'est là où on a des trous en fait. Hein. Donc si la cliente, vous ne lui proposez pas une technique qui est respectueuse d'elle et de son cil et que en plus à la maison elle n'en prend pas un soin, c'est sûr qu'au bout de quelques mois ça sera la catastrophe. D'accord? Donc très important de toujours être plus léger en volume, on n'utilisera pas les mêmes cils qu'en classique. Ok? Envoyez-moi des petits commentaires hein, si vous avez des questions. Les bouquets blonds, donc déjà préfait, donc dès que vous faites du cil à cils, vous êtes capable en fait de poser ce type de bouquet. Donc très rapidement, vous êtes capable sur votre carte de proposer effectivement bah, tout de suite en fait Alexia me perturbe avec ses Non, bouquets, c'est je commence, magnifique. mais on posera les questions après, je vais Oui. faire. Pourra effectivement le proposer assez rapidement puisque les bouquets sont faits. Si vous voulez effectivement faire du volume russe et préparer vous-même vos bouquets, parce qu'en fait on fait aussi du sur-mesure, hein. Du coup on peut, vous le voyez là avec la technique d'Alexia, on vient en fait donc choisir le nombre de brins que l'on souhaite, appuyer sur la bande collante, ça c'est une technique que vous aimez beaucoup en formation, et on appuie donc comme un petit arc-en-ciel sur cette bande qui est un peu plus épaisse en fait, qui est en fait en aluminium. Donc une fois qu'on appuie sur ça, sur cette bande avec la pince, ça permet de faire un bouquet. Donc le bouquet parfait que tu viens de nous montrer, c'est super. On a effectivement les brins qui sont espacés et ça, c'est un bouquet parfait, espacé chacun de la même distance. Ouais, Si on a des bouquets aimé qui là, sont hein. un petit peu plus fermés et d'autres un petit peu plus ouverts, sur un œil, dans l'ensemble, on va avoir des zones un petit peu plus d'ombre et de lumière, c'est-à-dire un peu plus intense à certains endroits et d'autres non. Donc ça, c'est intéressant de le faire quand même, de le savoir sur des yeux rapprochés, des yeux éloignés, si on veut appuyer un petit peu sur un certain espace au niveau de l'œil. Si on veut quelque chose de très régulier partout, ça travaille, voilà, devant la télé, vous pouvez travailler déjà à fabriquer des bouquets pour vous aider. OK? Parfait. Alors, première question, merci pour cette question. Quelle colle on utilise? Alors, idéalement, on conseille en fait la colle Adapt, qui est une colle qui sèche beaucoup plus rapidement. Donc, il faut savoir qu'en volume, on prend beaucoup plus le temps qu'en classique, en fait, hein, de faire ce type de démonstration et ses bouquets et de poser aussi le temps de séchage est un petit peu plus long, forcément, parce qu'on a plusieurs brins sur le même bouquet. Donc, la colle Adapt est vraiment en général celle qui on apprend avec celle-ci et c'est celle qui va le plus vite ensuite pour avancer en volume. Après, certaines techniciennes et très expertes hein, préfèrent quand même notre premium parce qu'elles sont habituées à cette colle, mais elles sèchent en 2 secondes. Donc par exemple, le volume, quand vous commencez en volume, très simple, sur du cil à cil, vous l'avez compris, que la colle sèche en 1 seconde ou 2 secondes, vous allez tendre en fait et attendre l'isolation de 1 à 2 secondes, ok? Selon type de colle. Quand vous faites des bouquets même de 3, il va falloir calculer en fait, ça va être dans les espaces des brins des bouquets que vous allez calculer. Donc si c'est 1 seconde, vous allez compter 1, 2 et vous relâchez l'isolation. Si c'est 2 secondes, vous allez compter le double, donc 1, 2, 3. Et à ce moment-là, forcément, votre pose va prendre double de temps quand même. Très important, cette isolation, une fois que le bouquet est en contact avec le cils naturel, pour toujours, en fait, être le plus précise possible. Et quand vous relâchez ce bouquet, que tous les autres cils autour, en fait, se collent pas, sinon vous allez perdre un temps fou à tout nettoyer en fin de prestation. Donc, on va revoir la technique un petit peu d'Alexia. Dans notre formation e-learning,
Vous voyez six différents types de techniques pour faire les extensions de cils en volume. Celle qu'Alexia nous montre, c'est celle qui est en général plus appréciée, mais après chacun prend la technique qu'elle préfère. C'est pour ça qu'on en propose autant. Donc on va tout d'abord bien sûr choisir donc le nombre de brins que l'on souhaite. Le volume commence à partir de 2 brins et 3 brins. On n'est pas obligé de faire des bouquets de 5, 6 tout de suite. Déjà, des bouquets de 2, 3 brins sur tous les cils va donner vraiment un très bel effet sur de belles densités. Et en fait, ce qui est très important dans cette technique, c'est qu'une fois qu'on a choisi le nombre de brins que l'on souhaite, c'est de venir le décoller donc vers nous. Et vous avez vu, après, Alexia fait une sorte de petit rebond en fait hein, sur la bande collante au niveau de la base. Des cils. Donc là, on le travaille pas du tout. Je prends le nombre de deux. Voilà, exactement. On voit que ça c'est tout regroupé. On le pose avec un peu de puissance hein, sur la base et ensuite un peu en arc-en-ciel, on vient ouvrir en fait. Voilà. Et on peut retravailler aussi de droite, de gauche, hein, en appuyant juste, mais très légèrement, c'est très sensible pour pouvoir fabriquer notre bouquet. Je sais pas si on voit bien. Ouais, super comme ça. Quand on prend ensuite. Voilà. Quand on prend ensuite le bouquet, on va le prendre plutôt vers nous, hein, jamais en hauteur ou à l'extérieur, sinon la base va se décrocher, pour arriver voilà à ce résultat qui est splendide. Et ensuite, dans la goutte, je ne sais pas si tu peux nous montrer Alexia, dans la goutte, on va plutôt tourner en fait le bouquet. Attention au trop de colle, ça referme les brins très souvent de notre bouquet. On vient effectivement tremper juste 1 mm, donc vraiment juste la pointe du bouquet. Voilà. Le risque, c'est que la colle remonte en fait tout au long du bouquet et du coup referme vos bouquets. Donc on est encore plus précise dans la colle, encore plus précise que sur du classique pour pouvoir fabriquer ces bouquets. Là, encore une fois, voilà, on le dépose et ensuite, donc on vient appuyer légèrement, mais vraiment avec une douceur infinie. Parfait. Et pour pouvoir, alors, vous voyez, c'est vraiment par étapes. Une fois que le bouquet est fait, hop, on vient prendre le bouquet dans la pince et seulement ensuite on le prend vers soi. Très souvent, vous allez trop vite, les filles. Vous allez trop vite et du coup, vous prenez et en même temps, vous fermez et en même temps, vous prenez. Et du coup, là, le bouquet s'ouvre dans tous les sens. Donc, ça, c'est important au niveau de cette technique-là. Super. Donc, la difficulté sur le volume, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez plusieurs étapes. On doit ralentir le rythme. Mettez-vous dans votre bulle. Hein, très souvent, je vous le dis, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Mettez-vous dans votre bulle pour être le plus possible concentré et observez. Ça va beaucoup vous aider quand vous apprenez en volume russe. Observez comment votre pince réagit, comment votre bouquet réagit en contact de la pince, avant même de le prendre en fait tout de suite. Et là, par exemple, autre technique, on peut aussi prendre chacun des brins, on peut continuer à le travailler en fait. Et une fois que le bouquet est correct, à ce moment-là, on le prend. Donc on le travaille un maximum. Quand la base est un petit peu ouverte, c'est possible, hein, quand on prend le bouquet, il faut aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Alexia. Je trouve qu'il faut vraiment persévérer, aller jusqu'au bout au départ et rien lâcher. Oui, bien sûr, ça c'est important. Mais surtout bien avoir la pince fermée quand on attrape le bouquet, donc avoir une main assez ferme hein, quand on attrape Assez le bouquet. ferme, effectivement, et puis bien tenir sa Voilà. pince. Très souvent, je vois trop de doigts passer par-dessus. Là, la pince, vous voyez, au minimum à 3 doigts avec le pouce d'un côté et les 2 autres doigts en face. Très souvent, je vois un petit crocheté de la pince et ça reprend de suite. Parce qu'en fait, de cette manière-là, en ayant les doigts en face, votre pince, il n'y a pas de changement de pression. Donc, en fait, vous n'allez pas perdre votre bouquet, clairement. Quel type de pince utilise? Alors, là, Alexia, aujourd'hui, utilise la pince 45 degrés. C'est une pince qui est un petit peu plus. Oui, c'est ça, 45 degrés, Oui, qui est un petit peu plus technique. Ça dépend vraiment des mains. Celles qui ont de la force dans les mains, cette pince, ça va être très agréable parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser, pouvoir faire des bouquets plus épais, en fait. Hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de contact, en fait, hein, sur l'embout de pince. Donc, on peut vraiment bien la travailler.
Pour les formations volume, sachez que vous avez en fait à l'achat de la formation volume russe, vous avez en fait tout un kit avec des cils Mishka, hein, comme on vous a montré tout à l'heure. Alors là, elle est utilisée et vous voyez que j'ai découpé des petites sections, hein. Donc des cils Mishka, vous avez la pince bien sûr et une colle adapte. Donc vraiment le nécessaire pour commencer en volume et pouvoir faire des pauses et vous entraîner surtout. On a la pince finesse aussi, on a la pince volume, on va dire universelle. On a aussi une pince qui est un petit peu plus grosse en fait sur des pinces noires ou noires argent. Ah oui, Donc ça dépend des mains. Voilà, exactement. Celle-ci qui ressemble d'ailleurs à la pince ultra mais qui a un manche plus long pour vous aider en fait à attraper vos bouquets. Voilà. Donc ça, au départ, c'est bien d'avoir la pince de votre kit, que ce soit celle-ci ou la pince effectivement un petit peu plus large, ce sont les deux pinces qu'on aime bien. Et puis après, bah voilà, comme chacune des techniciennes, on a nos pinces préférées et du coup, on va travailler un petit peu plus avec. Vous perdez pas dans les pinces, s'il vous plaît. J'ai vu trop de techniciennes se perdre dans les pinces. C'est pas la pince hein, qui va pas en général, c'est l'entraînement. Donc il faut un peu comme le sport, j'allais dire, pour celle quand on reprend le sport, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est compliqué, hein, faut se motiver et surtout c'est dans la tête, il faut persévérer. Donc on a de la perte au départ, c'est pas grave, tout va bien, on s'entraîne et on s'entraîne beaucoup en volume. Donc de faire des bouquets, ça c'est la première étape, d'accord? Deuxième étape, alors ça, Alexia nous montre aussi avec au niveau manuel aussi, Une ça expert peut du tout. Là, j'ai essayé parce que bon, c'est pour ça montrer, peut mais on peut les faire. arriver aussi. Ça peut arriver aussi, effectivement. Alors On va. après, on se met pas mal de colle aussi sur les doigts, il faut faire attention et c'est pas mal de le faire sinon avec un embout de doigt, comme ça, c'est vraiment hyper hygiénique. Mais là, juste pour vous montrer, voilà. On le fait tourner un petit peu dans les doigts pour pouvoir former. Il y en a qui travaillent que comme ça. Je vois au niveau du championnat mondial là, des extensions de cils, quand j'étais jury, on voyait beaucoup, et surtout en catégorie fantasy, beaucoup d'artistes en fait qui travaillaient avec les mains comme ça et en rapidité aussi. Mais à partir du moment où on est habitué à faire nos bouquets nous-mêmes, sincèrement, on va très vite, forcément, hein, ça s'appelle la dextérité. Et puis, on est capable, en fait, de travailler avec plusieurs pinces après. Donc, vous ne perdez pas dans les pinces parce qu'en fait, vous allez perdre votre appui et oui, votre appui même sur la pince. Je préfère que vous persévériez même une petite heure sur la même pince et ensuite entraînez-vous sur d'autres pinces si vous voulez, mais d'essayer à chaque fois de vous entraîner comme ça. Les petites astuces pour le volume russe. Bon, alors, on va dire la grosse astuce parce que ça, bah, ça va être les glooms, hein, vous l'avez compris. Pour commencer, avec effectivement tous nos petits bouquets là, qui sont prévus, on peut utiliser cette boîte, mais tout de 8 à 13 hein, au niveau des boîtiers. Ils existent en 3D, ils ont un fini incroyable au niveau du toucher, au niveau de cette finesse. Donc en 3D, en 4D, 5D, même 6D, de 8 à 13. On a des boîtiers uniques aussi en 4D, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous transmettrai une petite comment dire promotion spécialement pour vous qui êtes ici. Oui, merci, les blooms sont géniaux. On a beaucoup de très très bons retours sur les blooms, vraiment, et puis très simple à mettre, même si vous faites que du classique. Et puis de l'autre côté, donc la formation volume en présentiel, ou à Paris ou à Marseille, ou aussi en visio. En visio, ça se fait très bien. D'ailleurs, on voit beaucoup de choses en visio. Ça se fait très bien. En e-learning, avec la théorie qui dure à peu près 3 heures et demie, hein, donc vous avez le temps de le voir. Avec les 6 dernières techniques, donc pour faire le volume. Donc ça c'est la méthode qu'Alexia montre, donc c'est la méthode de la bande collante, mais on a aussi la méthode juste avec deux cils pour commencer, bien sûr. On a l'effet aussi arc-en-ciel, on a voilà plusieurs effets, la danse de la pince, on a plusieurs effets qui vont vous permettre de travailler vos bouquets. Et ensuite avec la formatrice, bien sûr, j'allais dire obligatoire. Hein, comme en extension de cils, on est là pour vous aider sur fabrication de bouquets pour une partie de la formation et l'autre bien sûr sur la modèle et ensuite
Chez vous, bien sûr, il faut s'entraîner à faire juste des bouquets, voilà, sur plaque. Si on a un petit peu plus de temps, hop, on fait aussi trempage de colle. Et sur les modèles, il vaut mieux s'entraîner, sincèrement, 1 heure et demie, 2 heures, mais jamais 3, 4 heures. Vous êtes épuisé, votre modèle aussi. Donc, petit à petit, c'est surtout la régularité, en fait, qui va vous aider. Donc, première étape, fabrication de bouquets. Deuxième étape, après, bah, ça sera effectivement trempage de colle. Et dernière étape, ça sera donc la prise du bouquet sur le cils naturel. Ces trois étapes, une fois maîtrisées, vous permettent de faire vraiment du sur-mesure sur vos clientes. Vous pouvez aussi le compléter avec le bloom. On a beaucoup d'expertes qui utilisent le bloom, faut dire ce qui est. On est un petit peu en retard sur son planning. On est un peu fatigué. On a le droit aussi. Voilà, on peut mélanger en fait toutes ces techniques avec du classique. On sera plutôt sur des poses mixtes ou hybrides, ou là, je vous conseillerais plutôt de travailler votre première rangée, hein, en faisant votre layering, première rangée tout en volume, donc à peu près une dizaine de bouquets, ensuite du cil à cils par-dessus. L'indispensable pour la grande saison. Oui, tout à fait, Sophia. Oui, vers l'été, là, c'est sûr que nos clientes en veulent plus, toujours plus. Donc, ce sera important de leur proposer, bah, justement, les blooms, parce que vous allez gagner du temps, vous allez effectivement être plus rentable, hein, aussi au niveau de vos prestations, forcément, ça va ensemble. Et puis après, vos formations en volume pour pratiquer. Ce qui est pas mal avec les MOOM, ça permet de faire la formation volume russe aussi, et puis de vous aider de faire des bouquets un petit peu de vous-même, j'allais dire, et puis de faire les bouquets avec les blooms aussi, de les poser, parce que ces bouquets sont aussi faits main, il faut le dire. Le boîtier, moi je l'adore, il est en FSC, c'est-à-dire recyclé, et donc on essaye toujours d'être plus vert, hein, aussi au niveau des normes. Et puis vous avez toujours des photos et des résultats extraordinaires. Ben voilà, en quelques temps, vous avez vu tous les bouquets Ouais. qu'Alexia. Je collectionne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Et effectivement, vous voyez qu'elle les dépose sur une petite mousse. Dans ce kit aussi, on a une petite mousse d'entraînement sur laquelle on va pouvoir fixer un petit peu nos bouquets. Ça nous permet d'évaluer un petit peu le temps de séchage de la colle, même si il n'y a rien de mieux que sur un vrai modèle. Mais ça permet quand même de voir effectivement ce temps de colle sur la mousse. Alexia, il me semble que vous préparez vos bouquets un petit peu à l'avance aussi, hein. Oui, alors moi, ce que je fais, c'est que bah, comme ça, par exemple, dans une petite boîte, je les prépare en avance, comme ça. Bien sûr, alors, par contre, je les sèche avec les doigts. Donc, j'enlève l'excédent de colle pour pas qu'il y ait trop de colle quand je vais les recoller, hein. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, avoir les doigts très propres, désinfectés, ou alors, effectivement, un petit embout hein, pour pouvoir, comment on appelle ça, aller dessus de. Oui, des sortes d'embouts, en fait, c'est des gants, c'est des doigtés, en fait, des petits embouts, effectivement. Et ça, c'est très important, effectivement, Alexia. Le fait de d'essuyer quand même un petit peu la colle pour que ce soit d'une assez confortable, et puis surtout que ça ne pèse pas plus, et que sinon ça risque d'abîmer le cil. D'accord? C'est pour ça que sur nos bouquets préfaits, sur les blooms, on a déjà en fait des effectivement c'est pré-encollé, mais de façon extrêmement fine pour pas que ça pèse en fait sur le cil naturel. Donc pourquoi pas effectivement. Quand on décide de les préparer à l'avance, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Par contre, toujours attention à l'hygiène. On va plutôt faire les stocker, pardon, dans un boîtier, bah, hermétique, à l'abri de la poussière, et on les sortira avec une pince propre, comme quand on rentre en fait dans notre boîtier de Moi, cils ce que j'ai classique. également, c'est ça. Donc, c'est les boîtes à médicaments. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. C'est pratique. C'est tout. Comme ça, effectivement, on peut marquer la taille dessus, hein. Tout. Et puis, c'est propre, désinfecté. Et puis, ils sont dedans, quoi. Un petit peu en vrac, mais au moins, ils sont prêts, quoi. Ouais, puis c'est bien hermétique, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt. Et après, bah, à voir aussi, alors ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de chacune d'entre vous. Moi, je sais que de mon côté, bah, je préférais les faire en direct parce que dans ma tête, j'ai l'impression de perdre du temps de préparer des bouquets au lieu de les faire en direct. D'autres préfèrent le faire en direct, ça rassure aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une possibilité, je trouve ça assez astucieux en fait.
Non, c'est très... entre deux clientes ou si vous avez une cliente qui n'est pas venue, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, les filles, à poser toutes les questions. Je regarde un petit peu les commentaires que j'ai eus pour pouvoir vous répondre aussi. J'espère, voilà, on remontre un petit peu pour celles qui viennent de nous rejoindre. Le bouquet préfet, n'importe quoi, c'est ça les bouquets préfets. Le bouquet Mishka fait, on va dire, de façon traditionnelle, donc avec notre pince. Je trouve que les deux sont quand même très complémentaires. On revoit un petit peu la technique, parce que beaucoup, vous êtes connectés pour ça aussi. Donc, tout d'abord, on choisit en fait le nombre de brins que l'on souhaite, 2, 3, 4. Essayez que ce soit le nombre de brins les mêmes toujours dans la même pose. On positionne sur la bande collante, en appuyant un peu sur la base, on va venir écarter les brins. Et ensuite, on peut les retravailler, soit en passant entre chaque brin, soit effectivement en les tirant comme Alexia a fait. Ensuite, on vient tremper dans la colle très délicatement. On est vraiment sur la pointe de la colle à 1 mm, 2 mm vraiment maximum pour pouvoir garder ce bouquet sans le fermer. Donc, on recommence. Voilà, on choisit. Donc, sans vraiment le travailler, vous voyez que là, en fait, on a comme un gros cil à cil, j'allais dire. Et on vient ensuite l'appliquer en fait sur la base pour que la base reste collée entre elles. Et ensuite, on vient avec la pointe de la pince écarter de droite ou de gauche pour pouvoir en fait avoir son bouquet parfait. On voit bien comme ça. C'est parfait, c'est parfait. Et ensuite, pour venir prendre son bouquet, donc on ferme d'abord la pince et seulement ensuite, on le prend vers soi pour garder une base complètement fermée. On le trempe dans la colle délicatement et ensuite, on vient le poser sur le cil naturel. Ils sont très beaux, vos bouquets, bravo. Et avec un peu d'habitude, effectivement, il y a moins de paix. Beaucoup trop. L'entraînement, c'est la clé. Hein, alors là. C'est ça. Pour commencer les extensions, pendant un mois, j'en faisais tous les jours. Tous les jours, avis, pas sur les signes. On est toutes passées par là, hein. Toutes celles qui font du volume, il n'y a pas le choix, c'est vraiment l'entraînement et la persévérance, vraiment. Vraiment. Et à force d'en faire, voilà, même juste des bouquets, un petit peu, c'est beaucoup mieux un petit quart d'heure tous les jours à faire des bouquets, je vous dis, hein, que 3 heures d'affilée, une fois par semaine, une fois par mois, tellement que c'est long. Donc, un petit quart d'heure tous les jours à faire des bouquets, et là, vous allez extrêmement bien avancer. Merci beaucoup. Super. Alors, pour toutes celles qui sont restées avec nous, bah, je vais avoir la chance de vous faire un petit cadeau pour toutes. N'hésitez pas à aller sur notre site miseencils.fr où vous allez avoir en fait la possibilité de créer, si ce n'est déjà fait, votre compte formation. Et vous allez pouvoir avoir un code promo en fait. Ce sera Bloom15 pour avoir 15% sur les blooms, que ce soit du 3D, 4D, 5D, voilà, ce que vous voulez. Donc, Bloom15 pour 15% en fait de remise sur les cils Bloom. Et ça, jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à appeler notre service commercial sur notre numéro de téléphone. C'est 01 46 44 0505 pour avoir nos commerciales et avoir des dates en volume russe. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous former avec toute l'équipe mise en scie. Voilà. J'espère que cela vous a plu. On en recréera d'autres, pourquoi pas que sur les Blooms ou sur pourquoi pas la formation classique. Hein. Mettez-nous un petit commentaire si vous le désirez. Avec grand plaisir, on s'adapte à vos demandes. Et puis, on se revoit très prochainement. Merci beaucoup, Alexia. Bah, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir regardé. Merci à toutes. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.